C'est fini. Salut à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de la pratique monstrueuse. Aujourd'hui, parlons du dubstep. Si vous souhaitez vous raviver la mémoire, l'épisode de la théorie est juste dans le coin droit. Pour récapituler ce dont je vais parler aujourd'hui, on va en gros regarder les coulisses d'une production de dubstep. Analyser tout ça, mais je vais également vous en profiter pour vous montrer les principaux sous-genres que j'ai introduits dans ma théorie monstrueuse. Mais avant de regarder tout cela, je vais d'abord vous présenter les différentes sonorités que j'ai employées dans cette petite composition. Premièrement, parlons des crow, ici en orange. Ici, ce sont majoritairement des samples que j'ai utilisés. La configuration de glow est très difficile et franchement pas très prometteur. D'autant que je ne me suis pas foulé des masses dans cette production, mais passons. Pour faire simple, ce sont des sons de synthétiseurs mixés avec des grognements d'animaux, comme des aboiements de chiens, des miaulements de chats, des grognements de loups, des cris de T-Rex, et j'en passe. Ensuite, je vous avais parlé des woobles. En voici, ici en jaune. Ce sont des synthétiseurs électroniques dont on fait varier l'amplitude d'un paramètre sous forme sinusoïdale. Pour ces wobbles-ci, je fais varier les hautes fréquences avec un filtre passe-bas, et je règle le seuil des fréquences atténuées sous la forme d'une automatisation sinusoïdale. Puis, lorsque je faisais référence à sonorité plus aiguë, je parlais en fait de ce qu'on appelait communément les screams. Pourquoi scream? Parce que ça ressemble à un cri de femme aiguë. J'en sais foutrement rien. Bref, les screams sont des sonorités obtenues à l'aide d'un synthétiseur électronique. On peut faire varier ce son ou non, ce n'est pas une obligation. Parmi les différents screams, il y a ce que j'appelle les yoi sounds, ici en vert, qui sortent un petit peu du lot car ils sont extrêmement récurrents dans le milieu du dubstep. Leur sonorité est assez particulière, cela ressemblerait à un robot qui dirait yoi. D'où le nom de yoi sound. Pour obtenir un yoi sound, prenez un son de synthétiseur presque pur et ajoutez de la distorsion de manière bourrin. Je vous avais également parlé de bassline, mais je n'en ai pas vraiment à vous présenter. Ici, ce n'est qu'un synthétiseur avec des grosses basses fréquences auxquelles j'ai fait varier le volume et la hauteur du son. Pour terminer le code de couleur, tous les rectangles rouges représentent mon drum ou mes percussions, et tous les rectangles blancs représentent les leaders ou si vous préférez les synthés qui jouent une mélodie. Et les sons en violet ne sont que des enregistrements vocaux. Maintenant, passons sur la playlist dans laquelle je vais vous commenter chaque drop que j'ai composé. Autant vous redire que je ne me suis pas foulé du tout, surtout sur le complex trow car je n'ai jamais fait de complex trow depuis aujourd'hui. Mais commençons par le commencement, le drop dubstep. Vous l'avez probablement remarqué, le drum n'est pas très complexe, il reste assez basique, et ce, quelles que soient les variations du drop. Il y a quelques crows, mais là encore, du très basique. On remarque naturellement la présence de woobles, qui sont très absents parmi les autres drops configurés dans cette production. Aussi, on remarque les yoi qui accompagnent le drop, jouant parfaitement leur rôle. Il n'y a pas de scream, hormis les yoi, mais leur absence est personnelle. Par exemple, Excision adore les screams et en fout absolument partout. Mais il n'y a aucune harmonie à jouer les sonorités toutes seules, et aucune n'est dominante par rapport aux autres. Toutes ces sonorités constituent un certain équilibre propre au dubstep. Sans transition, parlons du drum and bass. Déjà, on remarque que le tempo passe brutalement de 140 battements par minute à 180 battements par minute, le tempo maximal du drum and bass. Là encore, choix personnel. Ensuite, le drum est beaucoup plus recherché avec une grande quantité de kicks et de snares, jouant le tout sur le tempo. Il y a un nombre normal de crow, sans excès de ma part,
Par contre, on remarque qu'il n'y a pas de wobble, et c'est parfaitement normal car le wobble est propre au dubstep. Il y a également un nombre plus important de screams, avec la même quantité de yoy, mais d'autres screams venant s'ajouter au reste du drop. Ici, la bassline joue un rôle moteur, car c'est censé être elle qui joue le drop, et pas l'inverse. Même si ça ne se voit pas beaucoup sous cette production. Mais néanmoins, pour marquer cette différence, j'ai volontairement boosté le volume de la basse. Sur cette automation, juste ici, on voit que j'ai augmenté son volume uniquement pour ce drop. En gros, ce que le drum and bass a de différent par rapport au dubstep, c'est le tempo, une basse assez bourrin et une absence de wobble. Pour ne pas casser le tempo de manière trop moche, ce que je me suis déjà amusé à faire avant, je suis resté sur le 180 battements par minute pour introduire le drum step. Vous l'aurez peut-être remarqué, il y a tout d'abord une différence de drum. Celui-ci est en effet beaucoup plus complexe, et contrairement au drum and bass, où c'était la basse qui commande la musique, là, c'est le drum qui remplit cette fonction. Il y a des passages où il est seul, et où il casse le jeu habituel des percussions. Concernant les sonorités électroniques employées, à peu près le même ratio que le dubstep. Vous remarquerez par contre la présence de wobble. Je rappelle que le drumstep constitue l'équilibre entre le drum and bass et le dubstep. La présence de wobble est donc parfaitement justifiée. Pour réaliser ce drop drum step, j'ai volontairement boosté le volume du drum de 10% uniquement pour ce drop. Là où dans le drum and bass j'avais boosté les basses, ici j'ai boosté volontairement le drum pour rendre sa présence encore plus frappante. Ensuite, transition brutale et nulle à chier de ma part, on passe au complexe trop. Déjà, un tempo qui paraît être celui d'un escargot comparé au drumstep, c'est un tempo de 130 battements par minute. Comme je l'avais dit, il est le côté populaire du dubstep, et bien que je sois nullissime en complexe trop, je me suis conformé à des sonorités plus électroniques, ressemblant toutes pour la plupart à des screams, d'où leur omniprésence. Au niveau du drum, du basique de chez basique de type clubbing. Aussi, j'ai placé plus de yoy sound que dans les autres drops, car cette sonorité est très électronique et très récurrente dans le complexe trop. Par exemple, Overwork raffole de ce type de distorsion et en fout absolument partout. Autre petite signature du complexe trop, c'est les leaders de type jeu vidéo, et là, il y a Savant en pole position. Voilà pour présenter vite fait le complexe trop. Restons sur du 130 battements par minute et passons au bourrin que j'aime tant, le Brobstep. Première chose, le drum plutôt lent est encore une fois extrêmement basique, malgré le fait que je sois revenu aux sonorités traditionnelles du dubstep. Par contre, le crow est partout. Vous remarquerez cette véritable vague de orange sur toute la longueur du drop, avec seulement deux pauvres yoy en plus pour combler 2-3 trous. J'ai beaucoup fait varier les crow, il y en a bien plus d'une bonne dizaine, et on comprend assez vite pourquoi ce sont eux et eux seulement eux qui commandent la musique. Et pour la bassline, vous aurez probablement remarqué que je n'en mets jamais sur les crew. Ici, elle ne sert quasiment à rien si ce n'est pour renforcer les deux yoy. Et tout ce beau bordel inaudible constitue un bref récapitulatif de toutes les caractéristiques principales des sous-genres du dubstep. Ici, je vous ai présenté ces sous-genres de manière brève et rapide. Je pourrais revenir en détail sur chacun d'eux dans un tutoriel ou peut-être un nouvel épisode de la pratique monstrueuse, mais ça n'est pas à l'ordre du jour pour le moment. Il faut retenir entre tous ces sous-genres des différences de tempo, des différences de drum, des différences de sonorité et surtout, des différences de rythme. A vous de trouver le style musical qui vous convient. Pour moi, c'est le... En espérant beaucoup que ce petit épisode vous aura bien plu. Si vous souhaitez m'adresser des suggestions, des conseils ou juste des avis, faites-le à mon adresse mail présente ici dans le coin droit. Et sur ce, je vous dis à très vite pour mon prochain épisode de la théorie monstrueuse. Ciao, bye bye.